Bon, on est là pour une nouvelle vidéo, un B6 live sur Castlevania 3 Dracula Curse. Castlevania 3, là. Dracula's Curse. Donc, laissez-moi juste brancher la manette sur le Nintendo. Donc, j'ai le Nintendo chez moi. Donc, c'est déjà ça. Et quelque chose que... j'imagine que quelque chose d'intéressant que je pourrais vous dire, c'est que... vu que le Nintendo en output en mono, vous entendez bien, la vidéo est en stéréo, le son est en stéréo du jeu. Donc, pas pour rien, c'est parce que j'ai mis, je vais vous dire le nom, tiens. Pendant que je suis là, tiens, on peut dire que mon père, dans un temps extrêmement lointain, probablement dans les années 1990, avait acheté un câble Y stéréo RCA 0,1 mètre pour téléphone, stéréo, télévision, vidéo. C'est donc très très vieux. Et on voit ce que ça dit importé. Non. Ça ne dit pas. En tout cas, c'était extrêmement vieux. J'ai trouvé ça dans une de mes affaires parce que je savais que mon père avait acheté ce genre de choses parce que il joue la guitare. Et donc, il y a plusieurs systèmes de son à ce temps-là. Mais c'était quelque chose qu'il avait acheté mais qu'il n'avait jamais utilisé. Il était donc neuf. J'avais pensé de faire une vidéo dessus, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Parce que de manière, c'est quand même assez insignifiant de toute façon. Même si ça aurait pu être intéressant. Peut-être que j'en ferai une, même si tu vas un peu, je sais pas. Mais bon. Donc c'est ça. Donc allons-y, opening. Donc je continue ma partie, mais en premier, je vais juste faire le premier niveau avec vous un peu. Allons-y. Allons-y. Et pendant qu'on est là, on va pas tourner la Switch dessus, n'est-ce pas? Allons-y. Bon, n'est-ce pas? Donc, Switch. On va faire ça au montage, on va mettre la musique de Akuma Jo Dracula X. Dracula X. Densetsu. Ok, voilà. Donc, je l'ai payé moins cher qu'on puisse. Les prix qu'on peut voir sur internet, je vais vous dire, 32$. Ouais, c'est pas si mal de ça. Vu que. Où est-ce que j'habite, on peut juste le trouver à 40$ et plus. Sans le shipping rien. Ok, voilà. Donc je vais apporter le Nintendo avec moi. C'est parfait. J'avais quelques problèmes avec ma télévision. Lorsque j'essaie de... parce que j'utilise le câble HDMI pour ceci. Mais je me dis que ma télévision n'est pas assez bon pour reconnaître le signal de Nintendo en 240p. 240p. Une chandelle. C'est pas grave. Tiens, espèce de... Ok. Quoi? Bon, je vais vous dire, je joue en ce moment apparemment en 30 FPS. Apparemment, vu que c'est quand même, comme je vous dis, à partir de 280i, lorsqu'on est dans le i inférieur, ben, 480i est inférieur, on peut dire qu'on n'a pas les 60 FPS. Donc là, c'est quand même assez dommage. Donc, lorsque je me fais toucher, je ne vois pas où est mon personnage. Si vous regardez certaines vidéos, des vidéos d'environ, peut-être environ de 2 minutes à 2010 sur certains sites, qui jouaient des vieux jeux, comme par exemple Ratchet & Clank, tout ça, on voyait le même genre d'erreur, parce qu'on fait pas une erreur, parce que l'enregistrement, le capture, je suis en 60 FPS, en tout cas. Le jeu tourne en 60 FPS, mais l'enregistrement capture en 30 FPS, et apparemment, je joue en 30 FPS, mais, le jeu n'est pas ralenti rien, c'est juste qu'il y a des frames coupés. Donc, comme on a pu voir, il y avait des frames qui étaient coupés pour voir le personnage lorsqu'il clignote. Donc, c'est quand même quelque chose à savoir, j'imagine. Donc oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vous ferai peut-être, je mettrais peut-être ça en bonus, comme directement dans la vidéo, comme directement dessus. Ce sera assez intéressant, n'est-ce pas? Plutôt que faire un BC spécial à part, je vais vous montrer. J'ai déjà ouvert, donc en tout cas. Je vais quand même vous le montrer. Vous allez voir, le paquet est très très vieux. C'est un vraiment vieux paquet. Je suis certain qu'il l'a acheté dans les années 90. Pas mal certain. Ou au début des années 2000 au maximum. Donc c'est quelque chose de très vieux et qui sert maintenant aujourd'hui. Pour faire tous les jeux Nintendo. Parce que si vous vous rappelez bien, les précédents jeux de Nintendo que j'ai fait, c'est en mono. J'étais chez ma mère. Je n'étais pas chez moi. Et donc, en tout cas, c'est ça. Eh bien, espèce de...
Non. Moi, je vois même pas mon personnage. Très bien. Alors, c'est juste de terminer le premier niveau. Après ça, on va essayer d'aller à mon niveau. Je suis rendu en ce moment. Vous allez voir, j'ai resté là pendant un bon 2 heures, j'imagine. Plus que ça, 3 heures probablement. Vous allez voir le niveau du bateau fantôme. Ou plutôt vaisseau fantôme, bateau fantôme, vaisseau fantôme. Je pense que c'est bateau fantôme. Mais bon. Donc, en ce moment j'ai fait la baissée du Zelus de Ratchet & Clank et PlayStation 4. Je pense que je suis rendu à la moitié de la quatrième partie, quelque chose du genre. Ou la cinquième partie, je pense que c'est la cinquième partie, la moitié. Donc je ne suis pas très très loin. Donc je vais bien vous dire, on est en ce moment quoi, le 11? Je crois qu'on est le 11 ou le 12. Mai 2016. Ok, l'été s'en vient. J'ai été à la pêche, parce que je suis à la pêche. Et voilà. Donc je sais pas quand cette vidéo va être uploadée, ça. Surtout que j'ai même pas encore uploadé Jack 3 encore. Donc c'est un peu drôle. Espèce de... Il meurt. T'es eu à mourir. Dernièrement, j'avais pas eu trop de temps pour enregistrer. J'espère que maintenant, lorsque vous allez voir cette vidéo, en tout cas, je pense qu'on va être rendu au mois d'octobre, mon dieu. Peut-être bien plus. Je ne sais pas. C'est comique. C'est le cas. J'espère que vous avez vu Maximo, n'est-ce pas? J'en dirai pas plus, en cas que vous l'avez pas vu. Parce que toutes les vidéos ont été décidées à l'avance. Tout avant, directement au mois de novembre. Donc je savais déjà quoi faire. Certaines vidéos entre les milieux ont été décidées après. Pour les B6 Live, je les fais juste quand je joue. C'est vraiment les B6 test, console et tout ça. Je sais pas si vous avez vu les B6 console. J'avais fait dernièrement celui du PS Vita. Donc je sais pas si j'ai fait... j'imagine que je vais bien faire celui du Nintendo. Vu que j'ai Nintendo avec moi. Avec plusieurs jeux aussi, Mario 1, Punch-Out, Castlevania 2, Castlevania 3, Mario 3, espèce de Metal Gear à portée, espèce de... Bon, c'est la dernière vie, donc il s'agit de pas mourir. Nous sommes directement à... Quel boss encore? Je me rappelle plus. Moi, on a fait défaut. Elle m'a fait défaut. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour enregistrer aujourd'hui non plus. Bon, je sais même pas... Normalement, j'aurais fait la BCS du Solus, mais bon. Je me suis dit qu'on va pas faire un BCS live. Tiens. Voyons voir. Qui est-ce que c'est? Ah oui, lui, le taureau. Genre de taureau. On est pas dans la traversée de Tasmanie quand même. Je vois plus. Où est-ce que je suis? Je suis rendu là. Allez, il va mourir. Parfait. Allez, thème de la victoire de Castlevania 4. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite coupure directement, parce que je vais faire le bouton reset. Ou d'abord, on peut juste faire le bouton continue. Je pense que c'est ce que nous allons faire. Montons en haut pour qu'on puisse... Montons plutôt, tiens. Qu'on puisse mourir plus rapidement. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on est dans la tour de l'horloge. Donc, on peut juste sauter directement ici, tiens. Ok, voilà. Password. Parfait. Donc, password. Je pense que j'aurai besoin de ma caméra, parce que j'avais fait une photo de mon password, donc, voyons voir. Flight Link. Donc oui, je joue sur le Nintendo, hein, si vous avez pas su, si vous pensez que je jouais sur un émulateur, n'importe quoi, je joue sur le vrai Nintendo. Le vrai Nintendo. Et, c'est pas le Nintendo de la deuxième personne, comme on dit en anglais, c'est un âme. Je sais pas si vous pouvez m'entendre ici. Je suis dans une autre pièce. Donc ce n'est pas un Nintendo usagé, c'est le Nintendo à ma mère. Donc il y a juste une personne qui l'a eu, c'est ma mère. Donc ça reste dans la famille. Donc c'est vraiment pas usagé. Je ne sais pas qui l'a acheté précisément, c'est peut-être un oncle. Je ne sais pas. Mais bon. Je crois qu'il l'avait acheté avec Mario 3, peut-être Mario 1, mais je sais, parce qu'il n'avait pas trop de jeux. Je l'ai bien vu. Donc moi en tout cas, bon, prenons ça comme ça, tiens. En haut, non c'est pas en haut, c'est, je dois appuyer sur A je crois. Non, B. Ok, parfait. Donc l'amulette, ici. L'amulette là. Là. Là.
Après ça, ici, comme ça. Deux fois. Après ça, ici, comme ça. Et ici, comme ça, ça. Voyons voir. Parfait. Bon, on peut voir, je suis rendu au niveau, à ce niveau-ci. Parfait, la caméra est fermée. Bon, c'est là, j'ai utilisé la vieille caméra. Donc, et voilà. Bon, bah bon, parfait. Donc, essayons juste une fois ce niveau. Je crois qu'on a un game over. Si on en a un, peut-être que je vais réussir tout de suite. J'ai passé au moins 3 heures sur ce niveau. Je vais bien vous dire. Je vais bien vous dire. Moi, je connais assez bien. Et voilà, et voilà. Bon, j'ai peut-être pas attendu comme faut. Non. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Espèce de... Bon, on va essayer de réussir avec une vie. Je pense pas qu'on va y arriver, mais bon. Mais bon, n'est-ce pas? Bon. Quand même. Laissez-moi juste voir comment on est rendu sur la vidéo. 11 minutes déjà. Eh bien, bientôt, j'arrête. Normalement, je le arrête là. Mais bon, continuons un peu. Toujours plaisant de continuer. Surtout avec le stéréo, enfin. C'est pas vraiment stéréo, c'est plutôt comme j'avais dit précédemment, c'est un Y. Donc ça coupe le mono en deux. Qui fait donc du faux stéréo. Donc, c'est la même channel. Ça reste toujours le même. Il n'y a pas rien de différent dans les deux channels de l'audio, de stéréo. Les deux chaînes de stéréo. Il n'y a pas rien de différent, c'est toujours la même chose. Donc, j'ai trouvé comment on peut lancer des objets sur l'escalier. On doit continuer et appuyer sur en haut et puis tout ça. Bon. Cette musique. Bien, c'est entendu. Laissons pas ce cœur, tiens. Avançons. Parfait. Bon, je parle pas trop. J'essaie plutôt de me concentrer un peu. Bon, désolé pour la coupure. C'est juste parce que je n'avais plus de temps. Donc, je me suis dit pas pour une coupure. Parce que j'avais fait déjà la fin. Mais je crois que j'ai arrêté l'enregistrement trop vite. Et voilà. Bon, on peut voir maintenant, je suis rendu plus loin, n'est-ce pas? Un peu plus loin. On peut voir. Je suis maintenant rendu à deux niveaux après celui que j'ai fait sur la vidéo. On est aussi une journée après. Pour vous aviser. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on doit. On doit vraiment apprendre le niveau, ce niveau-ci. Si on veut vraiment le réussir correctement. Je suis rendu au boss 3 fois, je crois. Je suis mort à peintre, il restait une barre de vie au boss. Ça, c'était quelque chose, ça. Je peux même le dire. Et je me suis fait tuer. Eh bien, n'est-ce pas? Bon, normalement, je serais supposé de faire le BCS test. Celui de Battle Mondrian. Que supposément, vous auriez déjà vu. Que normalement vous êtes supposé l'avoir vu. Donc, bon, quand même, n'est-ce pas? Bon, juste sur nous pour un instant. Commençons le niveau. Et donc oui, c'est donc pour terminer la vidéo, c'est ça comme ça. Puis, je me suis dit pourquoi pas jouer à ce niveau-ci. Alors, bien sûr, on peut s'entendre Vampire Theory parce que c'est le niveau après celui-ci. Voyons voir. Bon, on va essayer de jouer sérieusement. Allons-y. Ok, deux vies. Bon, je pense pas que j'aurai même le temps de faire la BCG2, je pense que ça va être raté.
Ah oui, je le ferai à un autre moment donné. Je suis vraiment en retard. Je vais vous dire, espèce de... Je comprends. Non, je vais pas, on va pas me tuer tout de suite. Quand même. Est-ce que le reste... Bon, je devrais. Bon, je comprends maintenant les personnes qui... ben, qui sont quand même... ça leur épuise. Ça leur tente pas de faire des vidéos. Je peux comprendre. Parce que j'ai le même sentiment. C'est vraiment... enregistrer, c'est moins difficile. Je peux vraiment me permettre d'enregistrer, mais c'est vraiment éditer. C'est vraiment un débitage. Parce que, vous avez bien vu, mes vidéos deviennent beaucoup de plus en plus longues. À ma seule limite, des vidéos de 3 minutes, même pas. À part pour certaines vidéos de Solus. Comme vous savez, je fais le montage des vidéos. Sinon, ce serait extrêmement facile. Sinon, aucun montage pour des vidéos de Solus, pour tout. Cette fois-ci, c'est la dernière vidéo, le dernier contenu. C'est comme un genre de BCS défi. Et voilà. Espèce de... Allez, meurs. Allez, je... J.E. va mourir. Parfait. V.A.I.S. Bon, allons-y. Quand même. Allons-y. Nous l'aurons. Mais bon, hein. Juste pour dire, je manque de temps, n'est-ce pas, c'est la fin de la vidéo. Quand même, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu la main. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, j'étais au boss. Bon, je pense que j'ai perdu. Je pense que c'est plus ma journée pour jouer Castlevania. Je crois pas. Bon, on va quand même essayer, n'est-ce pas? On peut quand même essayer, on sait jamais. Je vais vraiment essayer de me concentrer. Donc, tiens, je vais vous faire même sur BC Live un petit montage spécial de fou. Quand même, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je fais? Bon, quand même, je vais donner une dernière vie quand même. Quand même, quand même, BC Live commence à être tellement long. Oh mon dieu, j'ai tellement de vidéos à éditer, ça n'a absolument aucun sens! Mais bon, avec tous les montages que je vais faire, je suis un peu fou à ce niveau-là. Je peux bien vous dire. Je sais pas pourquoi je suis autant fou à faire un montage comme ça. C'est des BC découvertes. Je pense que c'est vraiment la BC découverte complète qui m'a tué. Je crois, en tout cas, qui m'a complètement épuisé. Qui m'a enlevé l'envie d'éditer et de faire des vidéos. Ça fait quand même assez longtemps que j'en fais, ensuite, je n'en faisais pas autant. Mais bon. Ou lorsque vous verrez ça, probablement ce sera tout réglé. Bon. Moi, je me concentre un peu plus. Ça devrait aller maintenant. Allons-y. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, moi j'ai tué lui. Parfait. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, allez, meurs. Je crois que j'essayais trop de me dépêcher. Quelque chose du genre. Bon, au moins là, ça y va mieux. Ça y va mieux. Allons-y. Niveau 6. La musique est pas si mal là, ça. Aussi. Mieux que une des dernières musiques que j'avais eues. Je vais vous dire. Espèce de... Et lui il est là, tiens, ils sont là. Parfait. Allez, il va mourir. C'était quand même assez proche.
tout inclus, quoi. Tiens, parfait. Parfait, parfait. Donc, sautons, tiens. C'était pas la bonne décision, là, quoi. Sauter n'était pas la bonne décision. Bon, maintenant, on est un peu... n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Bon, moi j'ai réussi à passer ça, donc c'est quand même déjà ça. C'est quand même le dire. Bon, la vidéo quand même dure un peu longtemps, mais bon. Mais bon. Je sais pas. Je sais pas si je devrais réduire mon rythme. Non, je peux pas faire ça. Tout est planifié. Non, je pourrais le faire, mais bon. Je vais continuer, n'est-ce pas? J'ai absolument rien de réduire le rythme. Surtout que lorsque je vais avoir plus de temps, je vais vraiment me forcer. Eh bien. Bon, c'est voici, ce coup-ci est... C'est un coup de BCS défi. Bon, je crois que j'ai perdu tout ce qui était de moi, un bon joueur de Castlevania pour cette heure-ci, je crois, ou quelque chose genre. Je crois que j'aurais dû prendre une pause. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va cesser ici pour cette vidéo de la BCS, du BCS Type, de la BCS Specialist. Et puis on se revoit aussi. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Donc...